pas vrai. C'est un faux. Non. Ah, je vous jure. Bien sûr que si. Je peux dire ça à mon frère ici. Ah, mais je peux le dire, bien sûr. Dolce Gabbana, c'est un faux. Ça n'existe pas. Donc, vous travaillez ici à Dolce Gabbana? Oui, je travaille pour Dolce Gabbana. Le t-shirt Dolce Gabbana que vous avez vu est un faux. Un faux? Ouais. Vous confirmez ça? Je confirme. Non. Est-ce que vous êtes sérieux? Oui, je suis très sérieux. Parce que mon frère... On a vu la photo. Oui. En fait, c'est un modèle Dolce Gabbana rouge. C'est un t-shirt Dolce Gabbana. Normalement, c'est un modèle de la femme qui a défilé. C'était sans bretelle. Oui. Mais c'est quelque chose qui était à la femme, mais ça n'a rien à voir. C'est un débardeur. Oui. Et voilà. Et pour l'homme, ça n'existe pas. Ça n'existe pas en t-shirt. Et il n'est pas exactement comme ça. Parce que moi, je viens uniquement... Il y a mon frère qui a beaucoup d'argent. Il travaille en Angola. Il m'a envoyé de l'argent pour chercher la marque Dolce Gabbana. Donc vous confirmez, la marque Dolce Gabbana n'existait pas? Oui. Ici, nous sommes dans quelle boutique? Rue Faubourg. Rue Faubourg. Oui. Dans quelle boutique? Faubourg Saint-Honoré. Faubourg Saint-Honoré. Donc, nous sommes en boutique Dolce Gabbana, Faubourg Saint-Honoré. Oui. À François Ier, les Dolce Gabbana n'existaient pas. C'est un faux, monsieur. Il n'y a pas. C'est une contrefaçon. Ouais. Donc ça vient de Chine. Bah, ah, c'est pas, mais c'est pas, en tout cas, ça n'a pas été designé par Dolce et Gabbana. Voilà, pas ça, vous ne le croyez pas, on n'entend aucun magasin Dolce et Gabbana dans le monde. Ok, voilà. Merci beaucoup. Venez confirmer. Serge Malobo, venez d'entendre, la marque Dolce et Gabbana n'existe pas chez Dolce et Gabbana. Donc, monsieur Gabbana, il nous a menti, il a menti la diaspora congolaise. Concernant sa marque, Dolce Gabbana. Mais au Kibino Moko, on entend dans la boutique, il n'y a pas de tricage, tout est clair et tout est dans la moussala, il est très bien aussi dans la Kambouya. Il y a Bilamba, Mme Zangatina. En tout cas, merci beaucoup pour l'information. Comment s'appelle le chanteur déjà? Le chanteur, il s'appelle Kofi Olomide. Kofi Olomide. Kofi Olomide, il a menti à la diaspora concernant la marque Dolce Gabbana. Heureusement, vous êtes là, le vendeur de Dolce Gabbana, vous venez de confirmer. La marque est... On ne va pas venir nous tuer, j'espère. Non, la marque n'existe pas. La marque n'existe pas. Merci beaucoup, au revoir. Donc, Bolanda, Makambuya, Bilamba, Soussouté, Narbeng, Tokina Moussala, Lokuta, Naye, et mon ami, et ça ne sert à rien. Ah, ça, ma vidéo, Lokuta, Nazana boutique. Boutique, Yango. Boutique Dolce Gabbana. Je suis au Faubourg Saint-Honoré. Faubourg Saint-Honoré. Hein? Au la maison mère de Dolce Gabbana. Lelo, tout ça, mercredi 22 juillet.